Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, suite et fin de la série Gossip Girl, donc avec le maquillage inspiré par Jenny. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un smoky, mais un smoky un peu particulier puisque j'ai fait une forme un peu d'œil de chat. Donc accentué au coin interne et fin sur le coin externe. Bon, la petite déviation que j'ai faite, c'est que déjà j'ai fait un smoky qui s'arrête dans le pli, chose que je fais d'habitude jamais parce que je trouve que ça a tendance à rétrécir l'œil, mais là j'avais vraiment envie de faire cette forme-là. Et par ailleurs, sur les lèvres, j'ai mis un de mes rouges à lèvres Lime Crime, le Century Fuchsia, plutôt que de mettre du rouge classique pour représenter le côté jeune de Jenny, j'ai décidé de mettre du rose. Donc voilà, j'espère que le maquillage va vous plaire et que vous aurez apprécié cette série. Et donc je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, comme d'habitude, j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière. J'ai rempli mon sourcil avec un crayon à sourcils MAC. Maintenant, je vais prendre mon paint pot de MAC en Black Ground. Donc, c'est un paint pot gris foncé et noir. Et je vais utiliser un pinceau de Sigma qui est le SS209 et qui est un équivalent du 209 de MAC, donc c'est un pinceau à eyeliner, mais un gros pinceau à eyeliner. En comparaison, ça c'est mon pinceau à eyeliner, le 210 de MAC. Donc le 210 est en dessous. Et il y a quand même une grosse différence de taille. Bref, je vais prendre mon 209, mon paint pot. Je vais appliquer du paint pot sur mon pinceau. Et donc, je vais venir dessiner cette forme que vous voyez là, donc un peu étendue sur le coin externe comme de l'eyeliner et un petit peu allongée sur le coin interne comme de l'eyeliner aussi si on a envie, mais voilà, un petit peu étendue des deux côtés. Et vous voyez la différence de taille. Mon œil, il est tout noir, j'ai du mascara noir, j'ai du crayon noir dans mon œil et vous voyez, il a quand même l'air plus grand que celui-ci. Enfin, je trouve ça assez étonnant, c'est vrai. Bref, donc je vais essayer de créer cette forme au mieux avec mon pinceau. Et je vais juste aller un petit peu dans le pli avec le noir, mais je n'en sors pas. C'est pas forcément un maquillage très conventionnel, c'est pas forcément disons que ça respecte pas forcément toutes les règles et les techniques du smoky, etc. Mais je crois que le maquillage c'est aussi beaucoup basé sur l'imagination et sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc en vrai je m'en fiche que ce soit pas tout à fait conventionnel et que ce soit pas fait de la façon classique et celle dit correcte, quoi, je m'en fiche. Comme d'hab, c'est pas pareil des deux côtés. Mais bon, je vais pas sortir avec, en l'occurrence, c'est pas trop trop grave, mais. Le problème, c'est que quand je fais ça à la vidéo, je fais toujours trop vite pour que ça rentre dans le temps imparti, on va dire, et derrière, je me fais avoir. Donc j'en mets également au ras de cils inférieur. Et donc juste au coin interne, je vais dessiner un petit triangle presque. Et je le remplis directement avec le paint pot. Voilà. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Ça, c'est un pinceau en poils synthétiques quelconque. En fait, c'est des poils en bambou. Bref.
Je vais prendre le carbone de MAC, qui est donc un noir mat. Et je vais venir appliquer ça par-dessus la base. Par-dessus le paint pot. Pour les endroits qui ne sont pas très accessibles, vous embêtez pas, vous prenez un pinceau plus fin. Moi, je vais prendre celui-ci qui est un pinceau Clarins beaucoup plus fin. Pour plus de précision, pour éviter d'en mettre partout. On fait bien attention aux chutes. Hein, qu'on enlève l'excédent avant de mettre son ombre à paupières sur l'œil. Et donc on en met une bonne quantité. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau maintenant. Je vais venir remplir la pointe. Ensuite, je vais juste prendre un coton-tige pour estomper très très légèrement les bords. Voilà, je vais mettre mon crayon dans l'œil en haut et en bas. Je ne trouvais plus mon crayon. Et donc surtout, on laisse aucun espace où on voit la peau. On met vraiment du noir partout dans l'œil, sinon ça fera bizarre si... Enfin, c'est vraiment très très noir là, donc s'il y a un endroit où on voit la peau, ça sera pas joli. Donc je vais aller recourber mes cils, appliquer mon mascara et je viens vous montrer ce que je mets sur la bouche. Voilà, les yeux sont terminés. Alors sur la bouche, je suis sûre que tout le monde s'attend à ce que je mette du rouge. Et ben non. Parce que Jenny dans la série c'est quand même une jeune, voire très jeune fille, elle a que 15 ou 16 ans. Et du coup j'ai décidé de mettre un de mes rouges à lèvres Lime Crème que je vous ai déjà montré. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo où je faisais un maquillage marron. Donc voilà mon rouge à lèvres Lime Crème, c'est le Century Fuchsia. Donc c'est un fuchsia, en fait c'est une couleur framboise un peu. Et donc ça me va bien forcément. Et donc je vais appliquer ça sur les lèvres plutôt que du rouge parce que ça donne un côté plus fille quoi. Et que quand même les yeux sont vraiment très dramatiques là. Donc. Et voilà, le maquillage est terminé. Alors j'espère que cette petite série sur Gossip Girl vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions de séries, je vous laisse me mettre ça dans les commentaires. Je vous mets le lien pour le rouge à lèvres et le maquillage Lime Crime dans la barre d'information. Et puis, bon, je crois que c'est tout. Donc je vous dis à très très vite.